Perdre une quinzaine de kilos, ça vous intéresse? Je vais vous raconter le parcours d'une femme qui vient d'y arriver en suivant le programme. C'est l'histoire de Brigitte. Elle vient du Nord. Elle est mariée depuis 31 ans. Elle est maman. Elle a deux enfants. Elle a perdu 15 kilos avec le programme. Une expérience réussie qui va vous inspirer, ça je le sais. Je me nomme Brigitte. Je suis du Nord. J'habite Pascal. Je suis mariée depuis... 31 ans, j'ai deux enfants, garçon et fille, j'ai perdu 14,9 kg en 8 mois. Qu'est-ce qui peut produire le déclic chez quelqu'un? Pour elle, le déclic a été tout simple, vous allez voir. Mon surpoids, ben, je l'ai eu parce que j'étais opérée de la courbe des rotateurs, et donc j'étais mobilisée pendant 4 mois. Alors je me suis vue dans le miroir et dans mes vêtements, j'ai dit je ne peux plus rentrer dans mes vêtements. Il faut que je fasse quelque chose pour remettre les vêtements que je ne pouvais plus mettre. Et puis j'avais du mal pour monter les escaliers. Et j'ai vu ces bourrelets sur les côtés, ça ne me plaisait pas au miroir. Alors donc, voilà, j'ai vu l'émission Evelyne Thomas, donc j'ai dit je vais faire pareil qu'elle. J'ai choisi ce programme parce que je pouvais pas, mais je voulais maigrir de 10 kilos et je n'y arrivais pas. Donc j'ai dit il n'y a pas, il faut que je trouve la solution. Je ne peux pas maigrir toute seule, il faut quelqu'un avec moi. La perte de poids, ce n'est pas seulement une question de balance, ce n'est pas seulement une question de silhouette, c'est aussi une affaire de psychologie. Quand on maigrit, on se sent mieux, c'est une certitude. Le changement de poids a changé ma silhouette, mon caractère, la façon d'être avec les gens, d'être plus docile, d'être plus patiente, plus active aussi. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Et j'ai moins mal au ventre et j'ai moins de douleur au ventre. Maigrir, c'est pas seulement une question de modification du régime alimentaire ou de volonté personnelle. Le meilleur allié pour réussir, ça reste quand même l'accompagnement. Et vous allez voir comment elle vous l'explique. Alors, ce que j'ai eu comme soutien, c'est la diététicienne Delphine qui était auprès de moi, auprès de mon entourage, qui a essayé de m'encourager, qui a essayé d'aller de l'avant, toujours positive, et on va y arriver jusqu'au bout. Il y avait un suivi au niveau carnet, donc tous les repas ils ont été presque photographiés, et textuellement aussi, c'est ce que je disais. Et donc la diététicienne me disait que j'avais des repas superbes, et que je faisais bien le régime consciencieusement. J'ai bien apprécié ce compagnon personnalisé, parce que ça m'a aidé à suivre le chemin de où je suis maintenant. Savoir maigrir, c'est toute une équipe de diététiciennes à votre service et des consultations vidéo en direct tous les jours. C'est aussi une communauté bienveillante où tout le monde s'entraide. Et c'est particulièrement le cas sur notre groupe Savoir Maigrir sur Facebook. C'est une communauté très, très joviale et très sympathique. Où on discute ce qui va et ce qui ne va pas. Savoir Maigrir, c'est un programme simple d'utilisation. Tout est pensé pour être pratique sur le smartphone, sur l'ordinateur, menu, liste de courses, recettes. Il n'y a qu'à se laisser guider et accompagner. Ce n'est pas un régime contraignant, c'est plutôt un rééquilibre alimentaire. Quand je faisais mes courses, j'avais directement le mobile sur moi et puis j'avais la liste des courses. Et puis même aussi, quand j'achetais quelque chose, je regardais ce qui marquait derrière, les étiquettes, pour qu'il y ait moins de sel, moins de sucre. C'est très, très nocif pour la santé. Ce qu'elle a apprécié le plus dans le régime qu'elle a suivi, c'était bien entendu le fait d'avoir les menus personnalisés, des recettes interchangeables, mais aussi, c'est essentiel, les techniques de récupération. On a tous besoin de temps en temps de se faire plaisir, de sortir, de répondre à des invitations. Pas besoin de culpabiliser, on a tout prévu. J'ai fait des rattrapages quand j'ai vu que j'allais au restaurant et puis que c'était un petit peu plus grand. Et puis Et le lendemain, je faisais une galette de rattrapage avec les légumes et les œufs, les blancs d'œufs. Alors donc j'étais aux îles Canaries et là je respectais plus ou moins ce qu'on mettait dans l'assiette, mais c'était quand même plus ou moins gras. Donc, mais effectivement, je ne l'ai pas trop dit parce que j'ai pris un kilo et j'ai vite perdu le kilo dans la semaine. Donc voilà. Le secret de savoir maigrir, c'est ce qu'on appelle la routine minceur, une série d'activités quotidiennes qui vont vous aider à garder le cap. Alors, ma routine minceur, c'était de respecter la boisson, donc 1,5 litre par jour,
de faire de l'activité physique quasiment quotidienne. Je faisais 12 000 pas par jour, si ce n'est pas plus, parce que je fais de la marche nordique, la marche rapide. Et avant, je faisais aussi de l'exercice du style Pilates, mais j'ai arrêté parce que je me suis dit que ce n'est plus nécessaire pour moi. Et maintenant, je fais du tai chi. Avec mon équipe, notre rôle, c'est de lui donner des recettes, des menus, l'assister, l'encourager, et bref, de la mettre sur les bons rails dès le début du programme, jusqu'à la fin de votre perte de poids. C'est pour ça qu'on est là. Alors, je voudrais remercier tout d'abord le docteur Jean-Michel Cohen. C'est grâce à lui que j'ai pu entrer dans le site Savoir Maigrir. Et je remercie spécialement aussi ma diététicienne Delphine qui m'a soutenue moralement, physiquement, jusqu'au bout. Heureusement que ce site existe parce que je crois que je n'aurais pas pu arriver à perdre tant de poids. J'ai fait d'autres régimes avant, mais ça n'a pas marché. Et c'est ce régime-là qui a marché pour moi. Mais j'espère plus reprendre de poids. Il faut positiver, ça va aller. C'est une belle histoire, non? Si elle vous inspire, alors n'hésitez pas. Passez-vous aussi votre analyse minceur, ça demande 2 minutes. Vous allez bénéficier d'informations qui vont vous être utiles et précieuses pour vous aider à avoir le déclic.